Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universe Escape. Donc on reprend notre petite partie avec le Congo. Donc là on est en train de libérer notre pays. Les méchants qui nous ont exploités. Ah, on fusionne. Ça va s'en prendre. C'est pas une torpille. On a maintenant le cœur. Ok, et là maintenant, pour réformer le gouvernement, il nous faut quoi? Stabilité de 3. Stabilité de 3, et là on dit voilà, là on va libérer ça, on est reparti en positif. Mais bon signe ça. Ok, ici, là il me faut combien de troupes? Ah. Il a combien de Bénin? Il a 144 de manpower, il a plus de manpower, donc dès qu'il va venir dans mon territoire, il va pleurer sa mère en short. Donc là, on va tranquillement y aller. Donc 87, ouais. Ok. Atamba. Super. Le féodalisme est arrivé partout. La Renaissance est en train d'arriver, mais il faut pas être pressé. Après, ce connard de Portugais, il en est où? Parce que tant qu'à faire, limite, je reprends mon indépendance. Hein, l'autre, il me sert à rien, il me pompe toutes mes thunes. 16 000, ouais, non, il est pour moi. On va décaler un régiment de cavalerie, voilà, le reste de l'armée on va l'envoyer là-bas.
Voilà, M'Pongu. Ensuite, on va voir où il va. J'ai gagné en plus, alors là c'est beau. Là on laisse la cavalerie là, on prend l'infanterie, on la met là-bas. Bien ça. Ok, bonne nouvelle ça. Ok, à partir de là. Par régiment de cavalerie. Là-bas. Le Bénin. Hors de question que j'aide sans tanker le Portugais dans sa guerre. Le but c'est si je me fais attaquer, lui soit là pour me défendre, pas l'inverse, je suis pas là pour le défendre dans ses guerres à la con, naze. Ah ouais, non, ça on va se calmer. On va attendre un petit peu parce que moins 5 de stab. Non, l'Ethiopie a défoncé le Mamelouk. Ah ouais. Ça, on met là-bas. Et hop, la dernière, voilà. Et le portugais, c'est quand il veut, l'autre connard là, qui vient, l'autre putain de sac à merde. Colonie à Sergipe, ok. Ok, bonne mission Crète, colonise Paraiba. Paraiba. Matamba. Je vais baisser l'autonomie ici, il y a déjà du... de nuit et à 75. Allez, soyons fous.
Alors voyons. Quelles ont été les conditions? Oh! Oh, le portugais, là, il s'est fait... Bim! Défoncé par le Bénin. Bien, ça, le Bénin. Ensuite, donc, nous avions... On va faire deux navires. Là-bas. Ensuite, donc là, on met entretien des forts à Chi, entretien de l'armée à par là. Ouais. L'armée est arrivée, bonne nouvelle. Hop. Ouais. Mais t'as un immense plaisir, mais j'ai pas les moyens. Le Bénin a défoncé le Portugais. Putain, ça c'est une nouvelle qu'elle en est bien. On s'en fout. Voilà, un autre navire. Ah là 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 là. Ok, ça là-bas. Avec le game sur Baya. Ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer de s'étendre par là-bas. On va s'étendre par là-bas. Ça m'apporte. Ok. Au prochain. Stabilité nulle. Ok.
Noblesse demande contrôle de province. Un, deux, trois, trois, trois. Et on va leur donner ça. Ok, voilà. Positif de pas beaucoup, mais positif quand même. Ah. L'émission, qu'est-ce qu'on a? Adopte oligarchie? Non, autocratique. Donne pareil, bah ok. Lui là-bas on s'en fout de sa mission. Lui on va le mettre là-bas. On rapproche la flotte de transport là. Hop, eux. Ouais, en cas de voyage, ils y sont. Plus rapide. L'armée se déplace. Ouais, je pourrais déclarer mon indépendance contre les Portugais, je récupère tous leurs territoires qui sont au sud et au nord de chez moi. Est-ce que le Bénin... Est-ce que... Qui sont les rivaux du Portugal? Espagnol. Les Portugais, qui sont les rivaux? Et le Maroc, non... Le français. Ouais, là on attend que ça arrive, ensuite on va leur mettre sur la gueule. Perdu un navire. Ouais, fait chier. Alors, l'attrition diplomatique réputation peut être pas mal. Ou plus de... On va développer ça. Putain. On va prendre un peu de corruption. Ça, c'est Rika qui m'a montré ça. Face à la corruption, qu'est-ce que ça fait? On veut repayer les loans. Ensuite, la corruption permet quoi? Ça permet de rebaisser le national unrest. Là. Hop, voilà. Donc, Monopoly Charter, je crois qu'il nous faut... Pourquoi de l'influence? De l'influence. On va donner de l'influence aux marchands.
Ah putain. Ah. Et à partir de là. Redonne encore. Et là, donc, nous pouvons dire. Porteur, demande diplomatique. Le clergé. Établissons la mission. Et surtout, on arrête l'épisode là, vu que c'est la fin de l'épisode. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis donc bye bye les gens, et donc à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le monde!